Pourquoi je fais ça? Il est 6h49. Oh là là, j'ai zoomé. J'ai décidé de faire une sorte de vlog. D'une journée où je n'ai pas cours, mais où je travaille quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste de la création de contenu. Donc, déjà, il faut que je me lève. On va essayer, on va voir. Si ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais. On va voir. Voilà. Donc, en premier, je vais me lever. Je vais me changer parce que je vais commencer par une séance de sport et ça va me réveiller. J'espère. C'est parti. Je suis prête pour le sport. J'ai 4 vidéos à faire. Elles sont pas très longues, mais il faut les faire. Je suis toujours pas réveillée. Et pour être honnête, d'habitude, je reste dans mon lit, sur mon téléphone, pendant au moins 20 minutes. C'est pas bien. Mais je le fais quand même. Et là, je suis restée juste 2 minutes. Et en 2 minutes, j'ai déjà vu un commentaire sur Instagram méchant. Donc voilà, ça me démoralise déjà. Même si je sais que c'est pas important, qu'il ne faut pas s'attarder sur ces commentaires. Mais du coup, le sport, ça va bien m'aider. Parce que c'est une manière qui me permet de ne pas m'énerver trop. Ah, allez, on se motive. J'ai fini ma séance de sport. J'ai ouvert mes volets que maintenant parce qu'avant je savais qu'il allait faire nuit donc que j'allais vouloir me recoucher. Là il fait jour. Et maintenant je vais aller manger parce que j'ai faim. Voilà, vous pardonnez mes cheveux, je sais pas. Bon, je vais vous parler un peu avant de manger. J'ai l'impression de ne pas être toute seule, ça fait bizarre. Parce que le matin, j'aime bien me lever tôt pour prendre le temps de faire du sport, de manger, de me préparer avant de commencer à travailler. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, c'est bizarre. Enfin bref, du coup là, je vais manger. J'ai eu peur parce que sur le micro-ondes, c'est écrit 9h, 9h16 ou je sais pas quoi. Je dis mais non, comment ça il est 9h? Et en fait, j'ai oublié de changer l'heure. C'est pour ça. Voilà. Du coup, après, j'irai prendre une douche très rapide parce que je me connais. Donc, rapide, rapide, même pas 5 minutes, même pas. Et me préparer, m'habiller, tout ça. Et ensuite, je commencerai à travailler. Aujourd'hui, j'ai prévu d'enregistrer au moins 11 vidéos pour Instagram. Ouais. Une vidéo YouTube. Je dois aussi... qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer mes cours de demain, parce que j'ai pas mal de cours demain, comme j'en ai pas aujourd'hui. Et puis je dois garder un moment pour envoyer les emails, pour choisir les publications pour Instagram, pour TikTok, pour tout ça. Et préparer des stories aussi, parce que les inscriptions pour les cours en groupe se finissent bientôt. Donc il y a le côté création. Que j'ai déjà préparé ce que je voulais faire, j'ai juste à enregistrer, juste, et à faire le montage. Et il y a le côté administratif, de gérer tous
les emails et tout, ça m'énerve. Mais bon, on va y arriver. Pour être complètement honnête avec vous, d'habitude, quand je mange, je suis sur mon téléphone pendant hyper longtemps. Je mets longtemps pour manger, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que je suis sur mon téléphone, donc je vous mens. Je suis sur mon téléphone quand je me réveille, je suis sur mon téléphone quand je mange, le petit déjeuner, parce que le midi et le soir, en général, je regarde des vidéos ou une série. Voilà. C'est pas bien, hein. Oh. C'est ce que je fais. Donc, je vais arrêter de filmer et je vais sur mon téléphone, ok? Donc, c'est parti. Je dois me brosser les dents. C'est mieux. Le bouchon. C'est une blague. Je mets le dentifrice. Et ensuite, je mets de l'eau dessus. Et pas l'inverse. Comme ça. Je vais me maquiller un peu. Je fais pas tous les jours. Parfois j'ai pas envie, parfois j'ai la flemme, parfois je préfère pas avoir de maquillage. Mais là je vais le faire un peu. Et il faut faire quelque chose pour les cheveux, faut que je me coiffe. Faut vraiment que je me dépêche là et que je commence à travailler. Parce que même mes voisins ils se lèvent. Voilà, je suis à peu près prête. Et là je teste de filmer avec mon iPad. Donc j'espère que la qualité sera bonne, sinon vous me pardonnerez. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai préparé mes notes, tout ça, pour faire les vidéos. Je dois commencer par enregistrer une vidéo pour un partenariat. Et après, j'ai plein d'idées pour des réels. Donc je me donne à peu près... En 2 heures, je dois avoir fini d'enregistrer et de faire le montage de tout ça. Donc, c'est-à-dire ajouter le texte aussi. Et comme ça, tout est fait. Je ne sais pas si je vais réussir à faire les 11 vidéos. C'est des vidéos très courtes, donc ça devrait aller vite quand même. Mais parfois, en fait, ça dépend. Parfois, j'y arrive en une seule prise. Et parfois, il me faut 50 fois avant d'être capable de dire un mot. Donc, on va voir aujourd'hui. Hein. Et... Donc si j'ai fini vers 11h après, bon, je pense à faire une pause aussi. Je pense que soit j'enchaîne directement sur la vidéo YouTube, soit je fais une pause en répondant à tous les mails, en faisant toutes les factures que je dois envoyer. Donc je vais voir. Je vais commencer par les réels, les TikTok, et ensuite on verra. C'est parti! Let's go! Donc là, je viens d'enregistrer une vidéo pour un partenariat. j'ai pas trop galéré, ça va. Mais j'ai tout le texte à écrire, le montage à faire. Et j'ai eu d'autres idées pendant que je parlais. Je me suis dit que j'allais rajouter des captures d'écran. Et donc, il faut que je fasse ça aussi. Mais là, du coup, j'ai terminé. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, filmer tout ce que je dois filmer en faisant un montage rapide. Et ensuite, quand j'aurai filmé tout ce que je peux filmer, je passerai vraiment à l'ajout de texte, à enregistrer toutes les vidéos, l'ajout des captures d'écran, etc. Comme ça, ça fera... on s'organise comme ça, sinon si je fais une vidéo, que je fais le montage, après je sais que je vais avoir la flemme de continuer. Donc ouais, je vais continuer, je vais enregistrer... J'ai déjà fait une vidéo sur peut-être 11, plus de 10. Ça va vous ? Allez, on continue. Je fais une mini pause parce que Instagram commence déjà à avoir des problèmes. Ça, c'est fou, c'est dès que j'enregistre, l'application bug ou
Là, ils viennent de me dire « Désolé, nous ne pouvons pas enregistrer votre séquence vidéo. » Pourquoi ? T'aimes pas ? T'aimes pas ma tête, c'est ça ? Non mais je te jure. Attendez, on va regarder ensemble. Alors, retour dans les réels. Nope. Continuer. Ça a l'air de marcher. Ok. J'ai rien dit. On est retour. C'est vraiment insupportable. Hein. L'application arrête pas de se fermer. Je peux rien faire. Comment perdre du temps ? Mais bon, c'est pas grave. Ça va aller. D'habitude, je me dirais, vas-y, ça me saoule, j'arrête. Mais je vais attendre un peu. Bah, ça va remarcher. De toute manière, toutes les semaines, il y a des problèmes avec Insta. Donc, c'est habituel. Mais c'est chiant. C'est chiant. Donc, en attendant, je vais vous parler un peu de mon processus de création. comment je trouve les idées pour les vidéos ou les posts en général. Disons que il y a deux situations. Soit les idées me viennent d'un coup sans vraiment y penser. Je suis en train de faire la vaisselle, par exemple. Et dans ce cas-là, j'arrête tout. Je prends mon téléphone, je vais dans les notes et je note mes idées. Ou alors, comme hier soir, je prends une heure. J'ouvre une page Google Doc, par exemple. Et je note toutes les idées. Soit des choses que je n'ai jamais faites, soit des choses que j'ai déjà faites, mais que j'ai pas... Enfin, qui me plaisent plus, ou que je veux refaire, que je veux expliquer différemment. Et parfois, quand je fais une publication, j'aime bien la faire aussi en réel et inversement. Donc le réel devient une publication. Comme ça, les gens qui n'aiment pas regarder les vidéos peuvent l'avoir en publication plus tard, ou ceux qui n'aiment pas lire les publications peuvent avoir en vidéo aussi plus tard. J'aime bien faire ça. Et du coup, voilà, après... Je prends aussi des difficultés que mes élèves ont pendant les cours. Donc ça m'arrive pendant les cours de noter des choses. Par exemple, dire « Ah, il dit souvent « je suis bien » au lieu de « je vais bien » par exemple. Donc ça, on va en faire une vidéo, ça peut être pas mal. Donc en fait, c'est un peu tout le temps. Voilà, je suis pas toujours en train de chercher des idées, mais ça vient un peu comme ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Parce que ben, quand je trouve une idée, je me dis « Ah ouais, trop bonne idée !» Je vais la noter et on va voir si je peux faire quelque chose. Bon bref, je vais voir si Instagram refonctionne. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos déjà, mais il me reste encore quelques-unes pour que je sois satisfaite. Parce que je suis rarement satisfaite. Ouais, c'est compliqué. On y retourne. Franchement, vous allez rire, mais j'ai essayé de faire mes vidéos sur TikTok en me disant peut-être que ça va marcher et après je peux les mettre sur Insta, nanana. Mais TikTok marche pas non plus. Pourquoi tout le monde est contre moi aujourd'hui ? Alors que j'étais motivée, les lundis je suis toujours motivée pour faire mes vidéos le matin, comme ça je suis tranquille et je sais m'organiser et là il n'y a rien qui marche. C'est chouette, voilà. Bah du coup, si ça continue à ne pas fonctionner, je pense que je vais changer et envoyer mes emails, tout ça, et reprendre plus tard. Mais le risque avec ça, c'est que j'ai plus le courage. Ensuite, c'est pour ça que je fais ça le lundi matin, après m'être préparée, après le sport, etc. Parce que là, j'ai le courage. Je me dis, allez, on commence, on fait toutes les vidéos, c'est parti, on est motivé. Et après, si je fais autre chose, pour revenir à ça, je vais me dire, mais c'est bon, t'en as plein d'avance, tu peux attendre. C'est pas grave, la semaine prochaine, on verra. Vous voyez le risque. Je vous tiens au courant, je vous dis ce qui se passe ensuite. Mais j'en ai marre là un peu. Du coup, changement de plan, comme rien ne fonctionne, je vais filmer ma vidéo YouTube que j'étais censée faire tout à l'heure. Comme ça, c'est fait. Et j'ai pas besoin d'application pour le faire, donc je vais faire ça. Et après, j'espère que Instagram remarchera, on va voir. Sinon, là, je ferai mes emails et tout. Et je reprendrai en début d'après-midi. Mais ça m'énerve. J'aime pas quand mes plans sont changés comme ça, j'aime bien... Quand j'ai un emploi du temps, que je prévois de faire des choses, j'aime bien que ça reste comme j'ai prévu. Ok ? Mais ça va aller, on va y arriver, voilà, c'est pas grave. De toute manière, vous voyez comme ça que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'imprévus, beaucoup de changements. Ouais. Mais on va y arriver parce que j'aime bien, de toute manière, j'aime bien faire le contenu comme ça. Donc même si ça m'énerve quand ça ne fonctionne pas, à la fin, quand c'est terminé, que je peux le publier et que vous me dites que vous aimez ou que vous aimez pas d'ailleurs, je suis contente. Parce que je me dis, je l'ai fait. Ouais. Bon allez, on va faire la vidéo YouTube. Et après, on espère qu'Instagram remarchera. C'est parti. J'en ai un peu marre.
J'étais en train de commencer ma vidéo YouTube et là mon téléphone n'a plus de place, n'a plus de stockage. Tu fais exprès ? Je pense que c'est fait exprès en fait. Aujourd'hui, quand j'avais prévu de filmer pour vous montrer comment je fais, tout le monde s'est dit non. Non, ça va être un fiasco. Tu vas faire n'importe quoi aujourd'hui, tu vas pas réussir à enregistrer tes vidéos. Et comme ça, voilà. Donc maintenant, changement de plan, encore une fois, moi qui n'aime pas changer les plans, hein, je vais vider mon téléphone. Ça va vous ? Bon alors, Instagram ne fonctionne toujours pas très bien. J'ai réussi à enregistrer des vidéos, mais j'arrive pas à... Enfin, à enregistrer sur mon téléphone, parce que j'ai fait le tri, mais j'arrive pas à filmer maintenant, donc... En attendant, j'ai réussi à filmer ma vidéo YouTube, donc je pense que je vais partir sur le montage. J'aurais bien aimé faire plus de vidéos pour Instagram, mais je sais pas du coup si je vais pouvoir. Mais j'ai réussi aussi en même temps à répondre à mes mails, à faire les factures. Donc finalement, malgré tout, je suis en avance. Voilà, je suis comme ça, j'aime bien être en avance, c'est compliqué. Du coup, ouais, je pense que je vais réessayer encore une ou deux fois Instagram. Si ça ne fonctionne pas, on va partir sur le montage. Mais avant, je vais faire une pause parce que ça fait une heure que... J'essaye de faire des choses qui marchent pas, donc une petite pause, on va se lever un peu. Ouais, on en est là, hein, quand on travaille à la maison, c'est ça. J'espère que je pourrai sortir un peu aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps et le courage, surtout. Donc, madame. On en est au deuxième thé de la journée. Ça va être très long, ça va être très long. La bouilloire est en train de chauffer, j'attends. Enfin, l'eau est en train de chauffer. Les gars, je pète un câble. Je retourne sur Instagram et tous mes brouillons de vidéos ont disparu. C'est pas la première fois que ça m'arrive. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'ai supprimé l'application pour parce qu'il y avait un bug justement. Là, j'ai rien supprimé. Non, j'ai eu de la chance parce que j'ai enregistré la plupart de mes vidéos. Et non, pas toutes. Il y en a que je pouvais pas enregistrer. Donc je viens de perdre du contenu. Il y en a certaines que j'ai pu enregistrer avant, que j'ai sur mon téléphone. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est bon. Je sais pas, peut-être que c'est un signe pour me dire que je dois arrêter aujourd'hui et on verra un autre jour, mais je sais pas là. Je commence vraiment à m'énerver, c'est pas... Quand je suis allée sur l'application et que j'ai vu que tous mes brouillons avaient disparu, j'ai regardé le truc comme ça. Mais ça va, on reste debout, ça va aller, je retourne travailler, ça va bien se passer. Parce que je fais ça pour vous. Donc c'est pas pour rien. Donc j'y retourne. Allez, c'est bon. Je crois que vous allez jamais me voir autant parler à la caméra. Mais du coup là, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sature. Ça m'énerve, en fait. Je sais que c'est pas grave, mais ça m'énerve parce que j'ai mis du temps à faire ces vidéos et là, juste à cause d'une application qui bug, il y a tout qui est perdu. Alors oui, il faut pas passer par Instagram, nanana. Et justement, je fais attention de les enregistrer, mais il y en a certaines, je ne peux pas les enregistrer parce qu'il y a de la musique dessus ou pour d'autres raisons. Et voilà, c'est perdu, quoi. Donc bon, je vais boire mon thé. Et on verra. C'est une aventure incroyable, en fait. Je pense que ce sera le titre de cette vidéo. Aventure incroyable, un vlog, rien ne se passe comme prévu. Ça va, vous ? Je dis beaucoup ça. Ça me rassure de savoir que vous êtes là avec moi, même si c'est pas en live, c'est en différé. Bon, allez, cette fois, on se motive, on y retourne, j'arrête de parler. Il est 11h11, j'ai terminé de faire le montage de la vidéo pour le partenariat et du coup maintenant je pense que je vais continuer avec la vidéo YouTube, donc le montage. Pour les vidéos sur Insta, je suis pas hyper satisfaite parce que j'ai arrêté, en fait j'en ai fait 8 ou 9 au lieu de 11. Oui, c'est presque, je sais que c'est presque, mais pour moi c'est pas assez, c'est pas ce que je voulais faire. Parce qu'il y a eu des bugs, des problèmes, donc ça m'énerve. Mais c'est pas grave, j'en ferai d'autres dans la semaine, c'est pas grave. Du coup, là ça fait un peu plus de 2h30 que je suis là-dessus.
Donc je pense que je vais faire le montage de la vidéo, essayer de faire le montage, parce que ça va être drôle. Et après, je vais voir si j'ai faim, j'irai manger. Sinon, si j'ai pas faim tout de suite, je préparerai mes cours pour demain. Comme ça, avec un peu de chance, je vais avoir une bonne partie de l'après-midi libre. Donc ça, ce serait cool que je fasse... En fait, j'aime bien tout faire le plus vite possible. Bien fait, hein, bien sûr, mais rapidement. Enfin, rapidement dans le sens, pas faire trop de pauses, pas m'arrêter 50 fois. Parce que de toute manière, j'ai du mal à m'y remettre après. Et comme ça, après, je suis tranquille et je peux faire du piano, je peux lire, je peux apprendre les langues, je peux sortir peut-être s'il pleut pas. Je peux faire plein de choses, tu vois. Donc ouais. J'ai explosé de rire parce que quand j'ai filmé ma vidéo tout à l'heure, il y a une grosse différence entre le cadre ici et le cadre ici. On voit bien que mon téléphone était en train de tomber. Donc voilà, je m'excuse pour les personnes qui verront cette vidéo qui sera publiée sur YouTube. Encore une fois, il n'y a rien qui va. Tout ce que je fais, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave. Ah, on voit bien là que ça tombe. Ça tombe. Bref. Presque 3 heures à travailler et en plus, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Enfin, ça va, mais je voulais faire plus, comme je disais tout à l'heure. J'ai froid. Oh, le frigo. Donc là, le tournage s'est terminé pour aujourd'hui. J'arrête. Là, j'ai préparé rapidement mes cours de demain, mais je les reverrai un peu plus tard. J'en ai pas mal demain et mercredi, donc je suis contente. Je vais revoir des élèves que j'ai pas vus depuis longtemps, donc c'est cool. Voilà, du coup... Ah, ce que je dois faire maintenant, c'est voir quelle publication je vais mettre sur Instagram cette semaine. TikTok aussi, je pense, histoire de savoir où j'en suis, puisqu'Instagram a supprimé tous mes brouillons, hein, voilà. Donc on va essayer de faire ça maintenant et ensuite je vais continuer un montage et après je pense que je serai libre. Donc je pense qu'après 4h, 4h30 de travail, sans vraiment de pause, je pourrais m'arrêter un peu. On va faire ça comme ça, après on mange, c'est la récompense. Je dois enregistrer une story pour faire la pub de mes cours en groupe, comme il reste que 2 jours je crois pour s'inscrire. Donc voilà, derrière, avec ma belle bouillotte, tac, on va tenter un truc, je vais l'enregistrer. Je sais même pas ce que je vais dire en fait, c'est toujours comme ça, j'arrive comme ça, je me dis, qu'est-ce que je dis? Et je parle, et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, donc on va tenter un truc, on verra bien. Bonjour tout le monde, il ne reste que quelques jours pour vous inscrire pour les cours en groupe, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire rapidement pour réserver votre place, et puis voilà, j'ai hâte de vous rencontrer. C'est nul? Je vais l'enregistrer. Je vais recommencer je pense. Qu'est-ce que je peux dire qui est mieux? Ok. C'est parti. Bonjour tout le monde, il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire pour les cours en groupe, donc remplissez vite le formulaire et si vous avez... Voilà. On recommence. Bonjour tout le monde, il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire pour les cours en groupe qui commenceront la semaine prochaine, donc remplissez vite le formulaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. C'est mieux, non? Maintenant, il va falloir que je vois si j'aime bien ma tête ou pas. Ouais, ça ira bien. Je m'en fous. J'ai tellement froid, j'ai l'impression que j'ai le nez rouge. Pardon. Du coup, je pense qu'on garde la deuxième. On va supprimer ça. Comme ça, je mettrai le lien tout à l'heure, plus tard dans la journée. Ce sera fait, voilà. Efficace, simple, en 2 minutes, on a une story de 15 secondes.
Je viens de choisir le réel que j'allais publier aujourd'hui. Et là, c'est ma réserve de réels déjà filmés. Bon, il y en a certaines que j'ai déjà, certaines, que j'ai déjà postées sur Insta, mais d'autres pas encore. Il y en a, je ne sais pas si je vais les publier parce que suite à certains commentaires, j'ai plus trop confiance. Donc, on va voir. Mais là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai 19 que je pense publier réellement. Ensuite, les autres, je sais pas. Voilà, on avance. Ok, j'étais en train de commencer le montage de cette vidéo, là. Donc, je me rends compte que je me plains tout le temps. Voilà. Du coup, on va s'arrêter un petit peu. Ça fait 4h30 que je travaille. Oui, je travaille. Hein. Donc là, je vais manger parce que j'ai hyper faim. En plus, j'ai un avocat. Je veux manger un avocat. Voilà. J'ai fini de manger. J'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé, tout ça, tout ça. J'avais prévu de sortir, mais il commence à pleuvoir, donc non. Du coup, je vais faire un thé. Le troisième de la journée, n'est-ce pas? Et je vais en profiter pour travailler encore un peu. Je dois réfléchir à des idées pour le podcast. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Faire la miniature pour YouTube. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Après, j'espère que je pourrai faire du piano, parce que j'ai envie de faire du piano. J'ai fait la miniature pour YouTube, mais s'il y a bien un truc qui m'énerve, que je sais pas faire, c'est ça. Mais ça ira bien. Bon, j'ai bien avancé dans le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Oui, le plan, là, il n'y a plus de respect. Maintenant, je suis fatiguée. On se connaît, c'est bon. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà hyper longue. Et honnêtement, il n'y a plus grand-chose à dire pour aujourd'hui. Avec le recul, donc j'ai regardé un peu ce que j'avais filmé. Et à plusieurs moments, je dis « Ah, je ne suis pas satisfaite, j'aurais pu faire plus, etc. » Mais objectivement, j'ai quand même tourné 8 vidéos plus pour Instagram, plus une vidéo YouTube, plus le montage de cette même vidéo, plus le montage de celle-ci, plus chercher des idées pour le podcast, plus préparer les stories pour Instagram, les publier, répondre aux messages, répondre aux emails, préparer les cours de demain. Donc objectivement, depuis 8h45 ce matin jusqu'à 16h, avec une petite pause pour manger, j'ai quand même pas mal travaillé. Voilà, donc je me félicite moi-même, merci à tous, merci à moi. Vous avez bien travaillé, je vais bien. Et du coup là je vais me reposer maintenant, je pense que je vais faire du piano un peu. Tout à l'heure j'irai goûter. Et voilà. Donc je sais pas si cette vidéo aura été intéressante, je vais essayer de noter du vocabulaire qui peut être utile pour vous. Mais c'est un peu comme ça que mes journées sans cours se passent. Quand je me repose pas, quand je travaille quand même. Donc c'est un peu tout ce qui se passe dans ma tête, finalement, entre les messages que je peux lire, ou le fait de voir que quelque chose ne marche pas, et me dire, ok, si ça marche pas, je fais quoi? L'organisation de la journée, les plans qui peuvent changer, etc. Donc c'était intéressant aussi pour moi de voir comment je réfléchis, mais à voix haute finalement, parce que d'habitude tout ça, ça se passe dans ma tête. Oula, ça devient bizarre la conversation. Ok. Donc ouais, le fait de parler à la caméra, bon je ferai pas ça tous les jours, parce que le matin, merci bien. Mais c'est intéressant quand même pour moi, et donc j'espère que vous aurez appris certaines choses aujourd'hui, que ce soit sur comment je crée mon contenu, ou sur comment je trouve des idées, ou comment... j'arrive même plus à parler, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Ou comment... Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin voilà, donc c'est une journée à peu près normale pour un lundi en tout cas. Ça m'arrive d'avoir cours le lundi aussi, ça dépend. Mais j'essaye de garder au moins le lundi matin pour faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc là j'ai un peu décalé sur l'après-midi, et parfois je suis plus rapide, ou plus lente. Ça dépend vraiment des jours, ça dépend vraiment des applications, des appareils, tout ça, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura un tout petit peu intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Et surtout, moi j'aimerais savoir
Comment se passent vos journées habituellement? Donc, que ce soit au travail, à la maison, peu importe. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des choses similaires avec moi ou pas du tout? Voilà, je vous fais des gros bisous et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr et à me suivre sur Insta, TikTok, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très vite, j'espère. À bientôt.